Oui. Examiner, ces démons sont vraiment tordus, tu peux croire tout ceci? Ah ouais, bah d'accord, oui, mais ils méritent pas de la même chose. Ça n'a vraiment pas l'air très compliqué, je t'assure. Ah oui, mais comment est-ce que je fais pour les positionner vraiment comme il faut? Ralentir encore le temps, ou alors ils se positionnent tout seuls. Je sais pas. Il faut le taper dessus. Comment est-ce qu'on fait pour les positionner vraiment au bon endroit? C'est une bonne question. Ouais. Non, je peux pas leur taper dessus. Ouais, c'est bien beau de me donner la position, mais comment est-ce que je fais pour les positionner précisément dans le sens que je veux? Parce que là, je peux pas faire grand-chose, hein. On va essayer d'aller voir derrière. Il n'y a rien du tout. Comment est-ce que je fais pour les positionner vraiment comme je veux? Réfléchissons. Bon, il y a peut-être la solution. On va peut-être revoir, aller revoir le truc qui va peut-être me donner. Waouh, on dirait un pictogramme extrêmement ancien. Je sais qu'il faut un talent énorme pour donner un sens à une œuvre, mais ce pictogramme arrive à un niveau jamais atteint. Ah bon, à ce point-là? Ouais, ben il me donne la solution, mais je sais pas comment on fait pour positionner les machins dans le bon sens. Ils vont pas tous à la même vitesse. Ouais, ben je sais pas comment est-ce que je fais pour les manipuler moi-même. Peut-être un coup de vent. Non plus. Si je retape dessus, j'ai déjà essayé, ça fait rien. Qu'est-ce que je pourrais faire? De toute façon, j'ai plus beaucoup de pouvoir. Ouais, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour les positionner manuellement. Je peux pas aller par là. Et ben encore une énigme sur laquelle on va encore passer 20 minutes pour pas grand chose parce que la solution est certainement évidente, mais là à première vue je ne la vois pas. Comment est-ce qu'on fait pour les positionner manuellement dans le sens voulu? Ça fait rien du tout, hein, les flammes. Non. Bah je ne sais pas en fait. Comment est-ce qu'on fait pour les positionner exactement comme j'ai envie? Nous devons arrêter cet engin maintenant, Ama. Ton habilité devrait être à la hauteur de ce défi. Ça va vraiment pas l'air très compliqué, je t'assure. Bah oui, mais... on m'a donné la position, mais je sais pas comment les arrêter. Ah, peut-être faire fond... Ah tiens, j'avais pas vu ça. Là, il y a une sorte de manivelle. Ouais, pourquoi est-ce que ça brille? Pour que je tape dessus? Ok! On a compris! Encore un petit peu. Voilà, si j'arrête celle-là. Hop!
J'arrête la deuxième. Ça arrête pas la deuxième? Comment est-ce que je fais alors? Donc j'arrête la première. Elle est en haut. Je l'arrête. Et elle repart. Tiens donc. Il y a son œil qui brille. Ouais, il y a son œil qui brille. Juste avant qu'il ne reparte. Si je lui crame l'œil, ça fait rien. Non, bah ça c'est encore... ouais, comment est-ce que... Il s'arrête une seconde. Pas beaucoup une seconde, hein. Bon, on avance comme ça petit à petit, mais... Allez, celui-là, je t'arrête. J'aimerais bien qu'il s'arrête. Hein? Ou alors c'est un truc comme les machines à sous, etc. Il faut avoir de la chance quand elles sont dans la bonne position. Ok, je crois que en fait elles sont inversées. Celle-là c'est pas vers le haut. C'est pas vers le haut. En fait. Et donc l'autre, d'accord. Ah non, repartez pas. Mais non, repartez pas. J'ai plus de pouvoir, évidemment. Ouais, je crois qu'on a trouvé, en fait, c'est inversé. Non. Oh, j'essaye, j'essaye de repositionner celle-là, voilà, bien comme il faut. Là. Et donc la troisième. Maintenant, elle repart. Ah. Je récupère un peu de pouvoir, on va en profiter, je vais aller voir un peu, revérifier un peu le pictogramme. Donc ça c'est vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Ah mais c'est peut-être les yeux, moi je me focalise sur l'espèce de... sur la bouche, mais c'est pas la bouche. C'est peut-être la position des yeux, donc là c'est l'œil vers le haut. Là c'est l'œil vers la droite, et là l'œil vers la gauche. C'est sûrement ça. Ouais. On va aller réessayer. Moi je me focalise sur la bouche, mais c'est pas la position de la bouche. C'est la position de l'œil.
Voilà, l'œil est à peu près en haut. Ok. Je vais ralentir encore un peu le temps. Alors le deuxième, c'est l'œil vers la droite. Je vais encore ralentir le temps, il est bientôt à droite. Voilà, je mets l'œil à droite. Hop là. L'autre, on va encore ralentir le temps, il s'approche. Je vais... Et ben voilà! Et ben encore une énigme sur laquelle j'ai passé 20 minutes, mais bon... C'est que je dois pas être en forme aujourd'hui. Bon bah on a arrêté le blizzard, c'est déjà ça. Ouais, je suis un petit peu lent à la compréhension par moment. Désolé. Que voulez-vous? On n'est pas toujours au top du top. Regarde! Je crois qu'on y est. C'est la ah bon? C'est la 13e technique du passo. La dernière que tu avais perdue. Nous l'avons finalement retrouvée. Oh, bah déjà la dernière technique. Allez hop, petit poids. Est-ce qu'il faut un petit poids ici peut-être? Et un petit poids là. C'est pas ça? Bon, on va faire des petits poids. Hop! 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 Ah, il me manquait ici le coude. Voilà. Oh, Amaterasu, déesse du soleil, origine de ce monde. En ton absence, je me suis réfugié ici, finissant par y être piégé. Les êtres du mal entachent le monde avec leur impureté et l'obscurité. Telle une puissante tempête de neige, moi, Itegami, dieu de la glace, je suis revenu, je te donne le pouvoir de geler tes ennemis. Au zéro absolu. Je suis le dernier des 13 dieux que tu cherchais. Tu as maintenant le pouvoir d'éradiquer le mal pour toujours. La 13e et dernière divinité du passo est Itegami, le Kami de la glace. Tu sais ce que ça veut dire, Ama? Tu as retrouvé toutes tes techniques du passo que tu avais perdues. Hein? Ben Ama, regarde Itegami! Vous avez obtenu une arme divine, l'éruption solaire. Ah, en plus, je récupère un pouvoir et une arme, c'est bien. Eh bien, je pense que ça y est. Nous avons trouvé cette 13e et ultime technique tant cherchée. Neige éternelle, dit Itegami, peut geler un monstre jusqu'à l'os. Ah, ben ça tombe bien puisqu'il y a justement des araignées enflammées ici. Un pouvoir complémentaire idéal, comme un glaçage sur un gâteau. Eh, regarde-moi cette araignée de braise là-bas. Elle ferait une première victime parfaite. Place ton pinceau sur une masse de glace pour utiliser ton pouvoir. Puis trace une ligne vers l'araignée de braise. Avec cela, le pouvoir de la glace devrait animer ton pinceau. Allez, vas-y, essaye cette technique à faire froid dans le dos. Attends qu'elle redescende quand même, voilà. Allez, je prends de la glace et je lui gèle son dos de braise. Haha, cette maudite araignée de braise est congelée. C'est donc ça le pouvoir de neige éternelle, la dernière technique. Enfin, j'ai vu toutes tes 13 techniques. Les 13 techniques du passo céleste, le pouvoir des Kami. Bon, les festivités vont devoir un peu attendre. Dans l'ordre, il faut d'abord sortir d'ici vivant. En effet, à quoi serviront toutes ces techniques si je suis mort ?
Ne va pas faire l'idiot et nous faire tuer maintenant, Ama, hein. Bon, non, t'inquiète pas, ça va aller. Ouais, donc passage, bah, un petit peu compliqué, encore une fois, j'ai gagné évidemment un trophée. À part ça, est-ce que je peux faire revenir la nuit? Non. Bon, bah, je vois pas de trésor. Quelque chose qui dépasse, non, on voit pas. Bon, on a déjà récupéré pas mal de trucs ici, on peut pas vraiment en demander plus. Ok. Bon, bah, allez, tu redescends, toi. Voilà. Et voilà, un nouveau pouvoir. Hop, hop, hop. Et j'ai une. Ah oui, c'est vrai, j'ai une nouvelle arme. Équipement. Un miroir sacré qui possède le feu de 1000 soleils. Ah, bah, je vais m'en équiper. Ah, bah, ça me l'avait déjà équipé en arme principale, tiens. Ça me l'avait déjà équipé en arme principale. Ah, est-ce que je le garde? Oh, déjà, je vais le. Je vais lui foutre de la poudre d'or. Bien sûr. Et je n'ai plus qu'une seule poudre d'or quand même. Ouais, est-ce que je la garde en arme principale ou en arme secondaire? Oh, on va peut-être changer, tiens, allez. Ouais, pour changer un peu. Donc ici, je suis au max. Ici, soleil d'hiver. Non, c'est pas ça. Non, enfin, bon, c'est pas grave, de toute façon, on vient de l'avoir. Bestiaire. Ah, j'ai des nouveaux. Ah, bah oui, le roi des Tengu. Ah, bah c'est ça, c'était les Tengu, ceux que j'aime pas. Menant une vie recluse dans les montagnes, cette créature mythique s'entraîne sans relâche au maniement des armes. Ce yokai porte un masque d'oiseau et se cache au loin. Arrêtez-le coûte que coûte avant qu'il ne révèle sa véritable apparence. La légende dit que ce Tengu s'entraîne dans l'eau glacée pour avoir un corps robuste et cuirassé. Ouais, bah il a pas fait long feu quand même. Et à part ça, non, il n'y a plus d'ennemis. Trésor. Pompon de rubis. Une pierre précieuse de couleur rouge qui dégage une forte aura. Et il m'en reste plus qu'un trésor. Hein. Pompon de saphir. Le bleu profond de cette pierre apporte sérénité et douceur. Ouais, j'ai plus qu'un seul trésor à trouver. J'aurais complété mon livre des trésors. Ça, c'est plutôt bien. Plutôt même très bien. D'accord. Ça, c'est de la glace. Ah oui, c'est de la glace. Je peux prendre cette glace-là. D'accord. Bah, écoute, toi, je vais te congeler. Toi, de même. Est-ce que j'arriverai à aller là-haut? Bonne question. Non. D'accord, ouais. C'est... je vais... Ouah, je... Ah oui, d'accord. Je me fais congeler, je me fais brûler, congeler ici, il y a tout qui passe. Ouais. Je voudrais juste passer, mec. Laisse-moi un petit peu passer. Voilà, on va recommencer. Donc toi, je peux te congeler. Ah mais non, mais j'ai congelé les deux, mais je voulais pas congeler l'autre. Oh là là. Et je peux les décongeler, ça c'est bien. Ouais, je crois qu'il est, il est déjà monté trop haut, peut-être, ouais. Hop, voilà, là ça a l'air bien. Encore que c'est quand même un, c'est quand même haut, hein. Est-ce que j'arriverai jusque là? Ouais, j'arrive jusque là. Et ben voilà. Et vous obtenez une perle. Vous obtenez une perle errante. Trouvez toutes les perles. Je suis à... Combien, moi? Perles errantes. Ah, bah oui, il me reste plus que la dernière. Donc, ouais, c'est le temple d'Iriwaku. 1 sur 3, 2 sur 3. Et il manque encore la dernière. Il m'en manque encore une, ça va. Bon. Bah, on va retourner sur nos pas, évidemment. Je me fais brûler les fesses. Ah, je me fais congeler. Eh ben. On va aller vite sauvegarder, quand même. Et puis, bah, continuer. Ah oui, ici. Ici, 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 comme ça. J'ai pris le coffre. Je ralentis le temps. Allez, on passe par là.
Hop là. Oh bah un ennemi, ok. Un ennemi qui m'attendait. Je vais pouvoir essayer ma nouvelle arme. Et il est déjà mort. Voilà, je ralentis le temps. Ça ne me donne pas de crocs, c'est pas grave. Un ennemi qui m'attendait, bah il a pas fait long feu encore une fois. Ils sont vraiment balèzes les dernières armes du jeu. Voilà, bah je vais sauvegarder. Ouais, maintenant on va pouvoir passer par là. Oula. Allez, voilà, c'est reparti. On va continuer notre aventure. Ouais, bah on avance quand même pas mal, hein, finalement. Je vois que on a déjà récupéré le trésor du donjon. Il nous reste... Est-ce que je vais arriver jusque là? Ouais, il nous reste avec le boss. Cinématique. Voilà, ouais, ça va être passage plateforme là, je sens que on va bien se marrer. Ok. Allez, toi, je te gèle. Je l'ai congelé. Voilà, est-ce que j'arriverai jusque là? Ah non, 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 j'y arrive pas. Hop là, d'accord, super. Ouais, je dis ben ça évidemment à force, vous devez savoir que moi la plateforme, les jeux de plateforme en 3D, c'est pas ma spécialité. C'est pas ma plus grande spécialité. Voilà. Bon ben on remonte. Ouais, je dis on n'a plus qu'à avec le boss et ça nous fera un donjon de plus terminé. Ah mais il y a, c'est vrai qu'il y a un truc ici. Peut-être que la boule de neige est en... est en haut. C'est vrai qu'il y a ça, tiens. Ouais, enfin, peu importe. On va... De toute façon, je sais pas où elle est, la boule de neige. On va continuer par là. Non, trop tard. Hop. Ouais, c'est sympa, ce nouveau pouvoir. Bon, je reprends les pots, tant qu'à faire. Ça nous fait encore des sous. Même si on a déjà acheté un peu tout ce qu'il nous fallait. Hop. Voilà. Est-ce que j'arriverai jusque là? Ouais, ouais, cette fois-ci c'est bon. Ah bah j'ai une perle, j'ai la troisième perle. Ah bah on a toutes les perles de ce donjon, tiens. Oh! Eh bah merci, c'est sympa ça. Le truc qui m'éjecte. Ouais, on a toutes les perles de ce donjon, bah ça change des autres donjons, là, que ce soit les ruines de Tsutamaki, où j'ai aucune perle. Et je suis sûr que c'est ça, la zone qui manque, c'est les ruines de Tsutamaki, j'ai aucune perle. J'avance vraiment très doucement. Hein. Le temple dans le moulin avant, comment est-ce que ça s'appelle ça? Le temple du vent, le sanctuaire du vent. Le temple du vent, je sais plus. J'ai deux perles sur trois, il m'en manque une. Mais alors ici, par contre, j'ai réussi à avoir les trois, tiens. Ouais. Qu'on progresse. Ça débrouille de mieux en mieux. Voilà. Ouais, ça me paraît un peu haut quand même. Hop. Donc ça, je vais préférer les couper. Ah, mais c'est une arme de feu, tiens. Voilà que je remarque. Ouais. C'est une arme de feu que j'ai... Ah mais là il y a un coffre là non? Ouais il y a encore un coffre. Bon ben on va encore y retourner hein. On va encore y retourner. Là il y a un coffre. Ah mais non. Oh mais je suis vraiment mais pas doué. C'est pas possible. Ah mais non. Mais quel nul. Mais enfin. Ah il va encore falloir y retourner une nouvelle fois.
Ouais, je disais, c'est vrai, j'ai une arme de feu, tiens, maintenant, ça change de l'épée de foudre. Je peux prendre du feu directement sur mon arme. Sur mon arme divine, voilà, encore une fois. On commence à connaître, hein, maintenant, 25e fois qu'on passe par ici. Ouais. Attention à l'araignée, tout de même. Non. Est-ce que je peux pas le couper? Voir si au moins c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est ça, trésor? On va toujours aller le choper. Pot de porcelaine. Ouais, je crois qu'en plus on en avait déjà eu des pots de porcelaine. Oh, c'est pas grave. Ouais, super. Oh, bah je suis encore plus bas là. Non? Oh! Eh bah on a bien fait de venir ici. Bah ouais, finalement. Ah, bah on arrive directement là, tiens. D'accord. Ouais, mais du coup, il faut que je remonte. Ah ouais, il y a encore un coffre là. Bah, raté. Vous obtenez du verre gravé. Ouais, ça, du verre gravé, on en avait déjà. Ça, j'en suis sûr. Ouais, bah, on n'était jamais venu par ici. Et par là, il n'y a rien. D'accord. Bon, bah, voilà. Voilà. Est-ce que j'arriverai jusque là? Hop, non, on n'arrive pas jusque là. Eh ben jusqu'en bas. Ben on va recommencer, on va remonter. Eh ben. Bah au moins on a trouvé plein de trésors et on a trouvé toutes les perles. C'est déjà ça. Donc j'avance pas. Pourquoi est-ce que j'avance? Pourquoi est-ce que je... Ben... Eh mais non, mais là, attends, et là il y a un bug là. Pourquoi est-ce que j'avançais pas? Enfin. Ouais, donc on a trouvé tous les trésors, toutes les perles du donjon. Il ne reste plus qu'avec le boss. Voilà. Allez hop. On va aller. On va aller se faire boss. Ah ouais, il y a ce passage-ci. Oh là là. Voilà. Mais non, mais allez! S'il te plaît, la caméra. Allez, s'il te plaît, la caméra. Voilà, comme ça, au moins, je vois quelque chose. Voilà! Comme ça, c'est mieux. Hop là. Ouais, non, là, il est trop mal foutu. Voilà, comme ça. Voilà, allez, on est reparti, encore. Cette fois-ci, on a tout chopé, je pense qu'on n'a rien oublié. Je vais pouvoir continuer, enfin. Hop. Voilà. Alors, on va directement par ici. Il n'y a plus de trésor là quand même. Hein. Non, il n'y a plus de trésor par là. Bon, que faisons-nous? Comment est-ce que je passe par là? Si je fais fondre le truc. Ah, une plante de Konohan. Hein. Bah, hop. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Une grotte magique? Non, il n'y a rien du tout. Alors. Chat. J'arrive pas à attraper le chat. Non, là c'est le feu. Voilà. Bah, ça marche pas. Accroche-toi! Là, ouais, ça va être ici le passage un peu plus plateforme. Oh, mais vite, mais enfin, ah, je sais bien que je suis pas doué, mais quand même, là, pourquoi est-ce que je suis pas tombé dessus? Je crois que j'étais dessus, moi. Je suis dessus, là, ouais.
Mais non, mais enfin, mais je suis vraiment... Oh, bah jusqu'en bas, non. C'est de prendre la plante de Konohana, non, j'y arriverai pas. Bon, ben voilà. Et jusqu'en bas, et jusque dans le trou. Et je suis franchement, ouais, je suis pas doué. Mais je suis vraiment pas doué. Comme ça, ouais, ça ira. Allez, l'autre descend. Ouais, je vais te congeler aussi. Là, je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Hop là. Ah, mais il y en a encore une là. Ah, ouais. Bah, enfin, mais je vous l'avais dit, les... Où est-ce que je suis là? Je vois que là. Je vous ai dit, les passages plateforme, c'est pas mon truc. Et on va bien se marrer. Bah, effectivement. Oh, bah... Ouais, il a dit les passages plateforme en 3D, moi ça a jamais été mon truc. Ouais, ça se voit, je souffre, ouais, je souffre, je souffre. Voilà. Voilà. Mais non! Enfin! Je vous assure que je le fais pas exprès. Hein. Je vous assure que je le fais pas exprès. Voilà! Enfin! Allez. Bon, toi, je peux plus congeler. Ah, j'ai cassé le truc, je peux plus congeler maintenant. C'est malin. Voilà. Toi, je te congèle. Toi, pareil. Je vous assure que je le fais pas exprès. C'est juste que je suis pas doué et puis c'est tout. Hein. Voilà. Ah bah comme ça c'est bien. Pourquoi est-ce que j'arrive pas? Voilà. Hop là. Hop là. Il n'y avait rien d'autre, peut-être plus haut, une plateforme. Bon, on va pas prendre le risque. De toute façon, j'ai toutes les perles et tout ce qu'il faut. Allez, on continue. Hop, checkpoint. Des rouages. Un peu de vie. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Dépôt. Ouais. Alors, des rouages. Il va falloir ralentir le temps. Ça va être encore... C'est encore un truc pour moi, ça, hein. Attention, hein. Attention. Ils vont... Ah, mais non, mais pourquoi est-ce que je suis tombé? Mais non. Eh, sérieux, là. Voilà, je ralentis encore le temps. Tant qu'à faire... Et on ralentit le temps autant qu'il faudra, mais... C'est bon, quoi. C'est bon, hein. On va essayer d'y aller... Allez, je vais encore ralentir le temps. Oh, ça passe. Et par là. Ça passe. Et ben voilà. Oh, ah oui, attention, il n'y a pas de mur derrière. Attention de ne pas tomber. On va faire fondre la glace. À récupérer le coffre. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte du donjon. Ouais, moi, je ne suis jamais beaucoup servi des cartes dans ce jeu. Il n'y a pas besoin. Ouais. Ah oui, mais ça me donne... c'est juste la carte de l'étage, ça. Ouais. Ah, il y a beaucoup d'étages, quand même. Il y a 6 étages. Mmh. On n'a pas été... Il y a des zones où on n'a pas été, là, apparemment. Ah bon. Ouais, je vous dis, de toute façon, peu importe, on a récupéré tout ce qu'il fallait, je pense. On a toutes les perles et on a le dernier pouvoir. Il nous reste juste avec le boss. Hop là. Voilà. Alors bah oui, bah j'ai du feu sur mon arme maintenant. Donc je peux aller faire fondre ça directement. Et on continue. Oh, encore... encore un passage comme ça. Oula, 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 oula. J'ai tombé. Ah, j'ai tombé. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Je vais tomber là, non? Non. Oh là 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 là. Voilà, comme ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ah mais ils sont très lents, en plus j'ai même pas le temps, j'ai même pas besoin de ralentir le temps, en fait ils sont très très lents. C'est moi qui suis pas doué, et puis c'est tout. Voilà, ouais, j'ai pas besoin de ralentir le temps. Ça par contre, ça il va falloir. Et arrière où tu viens? Ah non, c'est le plafond. Ça par contre, je pense qu'il va falloir. Hop là, un ennemi bleu. Non, on va se le faire, qu'est-ce que c'est? Ah, un dogu. Attends, je te pisse dessus. Ah, raté. Je te pisse dessus. Attention, ah, il m'a quand même touché. Donc j'ai déjà récupéré un croc. Je fais ma petite crotte. Je récupère encore deux crocs. Ouais, il me touche. Allez, je le frappe. Hop, hop, hop. Et je lui fais moins de dégâts quand même qu'avec mon épée, hein, il me semble. Hein. Ouais, parce que l'épée, je peux la concentrer et faire beaucoup plus de dégâts que ça. Ouais, je vais peut-être reprendre l'épée quand même. Et encore 4 crocs. Ouais, du coup, j'ai pas mes deux cerisiers fleuris, c'est pas très grave. Ouais, il me semble que l'épée faisait plus de dégâts que ça. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, qu'est-ce que c'est encore que ça? Ouais. Encore du blizzard. Hop. Ouais, je vais reprendre mon épée en arme principale, en tout cas, parce qu'elle faisait plus de dégâts que ça. Et du coup, j'ai plus de feu avec moi. Waouh. Et pourquoi faut-il donc que tu sois toujours aussi téméraire? Ouvre donc tes yeux, boule de poil. Tu vois le gros trou ici? Tu devrais être plus prudent. Je suis trop jeune et trop beau pour mourir. Hein? Eh, regarde, ce trou est plein de trucs étincelants. Oui. Examiner. Eh, c'est quoi ce machin brillant là? Oh, je vois, des cristaux de glace jaillissent de ce trou. Pour les faire geler, alors, peut-être. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça glisse? C'est vrai que la glace, ça glisse énormément dans ce jeu. Voilà. Eh ben. Oh ben, on est encore dehors. Pas passage en bas? Non. Non, y a pas de passage en bas. Ah bah, il y a un trèfle à quatre feuilles, encore un arbre, machin chose. Voilà. Ouais, c'est pas mal ce pouvoir-là, j'aime bien. Ça change un peu des autres. Ta-ta-ta-tum. Hop là. Ah bah, je l'ai pas refleuri. Bah. Voilà. Ah bah, il y en a plein des arbres. Eh, raté. D'accord, c'est parce que je prends la glace. Au lieu de lui taper dessus, il prend la glace. Voilà. Ok. Eh ben. Voilà. L'arbre a été refusé. Encore un arbre. Allez, vas-y, lance-moi ton truc. Trop tôt, voilà. Je vais te refleurir, te faire devenir gentil. Ah ben, il y en a encore, décidément. Allez, lance-moi ton machin. Ah, mais non, mais je suis congelé, là. J'ai dû toucher le pilier de glace. C'est pas grave. Je peux quand même utiliser mon pinceau céleste. Et ben voilà. Et à part ça, il n'y avait rien. Il n'y a pas de trésor caché. Oh non, en plus, je crois qu'il fait nuit, il me semble. Ouais, je crois qu'il fait nuit. Je pense qu'on aurait vu la petite lumière. S'il y avait eu un trésor. Oula.
Bah, c'est le même truc que dans le temple du vent. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah, y'a un canon, j'avais pas vu. Y'a un canon, ouais, mais là, il est trop près. Y'a un canon. Attention, hop! Allez, tiens, prends ça. Ah bah, encore un ennemi. Il y a un peu plus d'ennemis que dans les autres donjons, j'ai l'impression. Encore un dogu. Ah, j'ai fait la crotte. Je te pisse dessus. Et il m'a pas donné des crocs avec ma crotte. Ma crotte à 2 millions quand même. Mais non, il me donne pas de crocs. Ouais, c'est pas grave, allez. De toute façon, j'en ai plein. Ouais, encore que niveau dégâts, je suis pas sûr. Même en concentrant mon attaque. Ouais, je suis pas sûr que finalement. Je vais peut-être prendre le miroir. Bah continuons, hein. De toute façon à part ça il n'y a pas grand chose. Ouais, on est dans une partie, peut-être dans l'autre donjon jumeau alors. Je pense que c'est bien ça, ouais. Ouais. Alors je ralentis le temps, attention il y a le canon qui vient me tirer dessus. Hop, allez tiens, prends ça. Oula. Ah bah il faut lui tirer dessus plusieurs fois lui. Ok, bah oui, pourquoi pas. C'est vrai qu'il est doré. Ah, je suis congé. Ah, et voilà, je l'ai éliminé. C'est vrai que c'est un canon doré. Alors, évidemment, il est plus fort que les autres, peut-être. Voilà. Ah, bah, une sauvegarde, ça tombe bien. Toujours important les sauvegardes. Hop. Qu'est-ce que j'ai? Un os d'hiver. Restaure 10 soleils d'énergie. Ouais. J'en ai... C'est pas mal. C'est vrai que j'en ai pas mal utilisé à un moment, mais là, j'en ai plus trop besoin ces temps-ci. Et vous obtenez un bâton d'encre infini. Ça, par contre, ça, c'est plus utile. Vraiment, contre les boss, bah oui. Faudra vraiment que je pense à les utiliser. Et bon, bah, sauvegarde alors. Hein.